Découvrez une sélection d'objets tendance, déco ou des idées cadeaux grâce à Cadeau Maestro, 3 rue Michelet à Saint-Étienne. CadeauMaestro.com. Alors, Charline. Oui, alors moi tout d'abord, j'avais une petite fête à souhaiter parce qu'on est mercredi 4 mai aujourd'hui, c'est la Saint-Sylvain. Donc c'est la fête de mon chéri, donc j'en profite pour faire une bonne fête. Ouais. On en connaît tous les Sylvains. Bonne fête, Sylvain. Voilà, c'est. Il y a des Sylvains dans le... Non, pas de Sylvain. Il y a des Sylvettes. Pas de chance. Pas de Sylvain. Ça pourrait, voilà. On a le droit de passer des messages personnels comme ça. Il faut. Non, j'ai pas le nom. Non, mais c'est surtout, oublie pas celle de ta chérie. Est-ce que ton chéri s'appelle Sylvain? Je ne pas Sylvain. Non, je ne pas Sylvain. Ça tombait bonjour. Bon, bref. Bon, ça suffit tous les deux. Ça suffit, ça suffit. Nous, on en connaît un, c'est Sylvain Carcelès. On lui souhaite donc une très bonne fête. Bonne fête, Sylvain Carcelès. Voilà. Pour ma part, donc, je vais faire sur les téléphones aujourd'hui parce qu'on est très nombreux à être fans de nos smartphones, souvent, que ce soit d'ailleurs à iPhone ou Android. Et donc, pour ça, j'ai prévu plein d'accessoires à vous proposer pour pouvoir profiter pleinement de votre téléphone au-delà du simple fait de téléphoner et d'écrire des messages, au final. Je vais vous proposer donc, tout d'abord des supports pour téléphone parce qu'on aime bien souvent écouter de la musique quand on a son téléphone. Là, je vais vous présenter ce petit support très simple qui reprend une petite enceinte d'une célèbre marque que je ne citerai point, qui va être tout simplement pour faire haut-parleur. Donc, vous allez poser votre téléphone. Elle a le même nom que notre avocat, non? À vous de deviner. Voilà. Et vous allez mettre donc votre téléphone. Et l'avantage, c'est qu'il va faire simplement ampli et va avoir un système à l'intérieur qui va permettre en fait de diffuser le son de votre téléphone. Ça marche vraiment bien. Super bien. Ouais, bon. Ouais. Bah, après, là, c'est que il est. D'accord. Ouais, ça marche très bien. On va avoir également cette magnifique petite ventouse qui va être, vous savez, comme pour déboucher les toilettes. Ouais. Vous le placez derrière votre téléphone et ça va vous faire un support à téléphone, voilà, comme ceci. Et s'il tombe dans les toilettes, vous pouvez le récupérer. Ventouse. Vous pouvez le récupérer avec ça s'il tombe dans les toilettes. Ne le tombez pas, ne le mettez pas aux toilettes, votre téléphone, tout simplement. Voilà, c'est très très pratique pour pouvoir regarder les petites vidéos. Si vous voulez regarder TL7 en replay sur votre téléphone, vous pouvez grâce à la super ventouse. également, quand vous avez donc tous les supports à la maison donc, qui vont se poser sur la table, on va avoir par exemple cette magnifique ventouse flexible. C'est pas une ventouse d'ailleurs, c'est simplement un support flexible parce qu'il est à pince. Et vous allez ouvrir la petite pince. Et vous allez clipser votre téléphone. Donc là, je vous l'ai mis de ça votre côté là. Non. Et en plus, il y a des petits caoutchoucs, donc ça évite de l'abîmer également sur le côté, ça le protège. Quand vous faites de la cuisine ou autre, là encore, si vous n'êtes pas équipé de tablette, c'est super pratique. Vous pouvez l'accrocher également au bord du lit et vous pouvez prendre. Au bord du lit, pour faire la cuisine. C'est un autre exemple. Bonne fête, Sylvain. Il est très en forme aujourd'hui. Bonne fête, Sylvain. Non, mais vous le clipsez sur le bord du lit et vous pouvez regarder votre vidéo. C'est très pratique. Voilà. D'accord, très bien. On peut se filmer aussi. Aussi. Arrêtez. Arrêtez de donner de mauvaises idées. Parasite aujourd'hui. Hein. Non mais Philippe. Non, c'est une remarque intéressante. Non, c'était intéressant. Vous pouvez vous filmer au lit si vous le souhaitez avec votre support flexible. Vous allez avoir également pour projet. Protéger, pardon, votre téléphone, il me perturbe énormément aujourd'hui, j'en suis désolée. Hein. Voilà, vous allez avoir cette magnifique petite housse qui s'appelle la housse Hoodies et qui représente, vous savez, les petits sweats à capuche. Donc ça, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir mettre votre téléphone dedans et protéger votre petit téléphone pour pouvoir le porter. L'avantage, c'est qu'il est large et vous pouvez rajouter également vos écouteurs à l'intérieur pour éviter de tout perdre. Et si vous souhaitez avoir un format un peu plus masculin, parce que là, j'en ai présenté un rose, mais il existe en d'autres coloris, vous pouvez avoir la magnifique petite enveloppe qui est imperméable, indéchirable, avec une petite protection à l'intérieur. Et vous pouvez glisser donc votre téléphone, éventuellement un petit chargeur carte et une carte bleue si vous n'êtes pas équipé de portefeuille. C'est super pratique. Vous mettez votre adresse, si vous le perdez, on vous le renvoie. C'est possible aussi. Moins sûr. Voilà, mais c'est vrai qu'on peut écrire dessus, hein, tout à fait. C'est une enveloppe où on peut écrire avec son stylo bille dessus. Voilà, au niveau des supports, je vais vous présenter rapidement des petits accessoires à téléphone, parce que le temps va s'écouler rapidement, qui sont utiles et parfois simplement fun. Vous connaissez tous les selfies, je présume. Vous vous prenez souvent en photo dans la salle de bain ou autre, il fait un peu nuit. Vous n'avez pas de lumière, vous pouvez prendre. Je présente un flash. Vu que c'est un flash pour téléphone, c'est simplement quand vous faites une photo, vous avez le flash que d'un côté sur le téléphone portable. Ils sont méchants aujourd'hui. Non, mais c'est que ça leur plaît. Ça leur plaît, c'est pour ça, c'est que vous aimez. Voilà. On voit des selfies dans la salle de bain, j'en fais. De nuit. De nuit. Vous appuyez, en fait, vous avez simplement la possibilité d'avoir... Ils sont pas Charlina, quand même. Non, c'est pas... Voilà, vous pouvez vous prendre en photo en ayant... C'est génial. Ça évite de galérer en retournant son téléphone pour avoir le flash. C'est vrai que c'est super sympa. Donc, ça vous permet d'avoir le flash intégré au téléphone. Également, si vous faites, vous savez, des photos un petit peu... Alors, j'ai perdu le nom, vous savez, en macro, vous savez, arrondi, pour voir un effet un peu plus bulle. Fish eye. Vous avez un petit
petit porte-clés qui représente un petit téléphone que vous allez caler. Donc là, si on repart encore sur le selfie, vous allez le ventouser en fait sur le petit coin téléphone, vous savez, où il y a l'appareil photo. Et quand vous allez appuyer, ça va vous faire, en fait, vous avez une lentille sur l'appareil photo qui va vous faire une photo un peu panoramique et effet... Fichaille. Voilà, donc ça c'est très très pratique celui-ci. Non, elle est bien, t'as une photo de profil. Et un produit qui est très utile pour tous les jeunes, ah oui, moins jeunes et tout le monde, c'est un doubleur chargeur pour le téléphone. Ça oui. C'est-à-dire que c'est un porte-clés, vous le gardez toujours sur vous. On enlève les petits embouts ici. Je crois qu'il y en a un qui s'appelait. Et vous pouvez en fait simplement prendre la batterie d'un de vos copains ou de votre copine ou d'un collègue. Donc c'est un échange de bons procédés et d'énergie, voilà, positive. Ah, c'est pour récupérer la batterie d'un copain, l'énergie de l'autre. Ça marche uniquement pour les appareils Android. Voilà, ça marche pas chez les humains. Comme ça, c'est pour les deux. Ah, c'est dommage. Pourtant, vous en avez beaucoup d'énergie, Charles. Ouais, c'est vrai, pas mal. Bon, voilà. Et enfin, un truc un peu plus fun, parce qu'on aime bien rigoler avec tous les téléphones, c'est les emojis. Vous savez, les émoticônes que vous avez sur vos téléphones quand vous envoyez des SMS. Mmh. C'est de plus en plus à la mode et on vend des produits très sympas, dont ces petits porte-clés qui vont reprendre des célèbres emojis que vous avez sur vos téléphones. Le petit monsieur Popo. Voilà, ici. Il est vendu avec la ventouse, monsieur Popo. Guy Five, j'ai un magnifique masque également qui est disposé sous le dessous de la table. Mais je n'ai pas demandé à mes chroniqueurs. Vous auriez bien eu le droit aujourd'hui de le mettre sur la tête, le masque crotte, qui est juste en dessous. Je ne sais pas si Aurélien arrive à le voir. On fera la semaine prochaine. Il est trop bien, celui-là. Et pour rigoler un petit peu, parce que ce qui est très marrant, c'est qu'aujourd'hui, sur les téléphones, donc vous aimez bien envoyer un message, donc le petit bonhomme à vos amis ou autres. Là, on a également les boîtes à son, c'est-à-dire qu'ils ont inventé également le son, le niveau sonore à vos petites émojis qui sont normalement non sonores. Oui. Donc là, on va en écouter un, on va prendre... voilà. Un gros ça, c'est un bisou, voilà. Ça. Ça clôture ma chronique, mais je vous fais un gros bisou à tous les deux. Oh, c'est gentil. Bravo, et on Charline. Et Sylvain. Merci Charline, revenez la semaine prochaine. Oui. Avec une... Elle a toujours des objets qui sont géniaux. C'est cadeau maestro, ça. Ça vous a plu, au moins, j'espère. Vous allez, est-ce que ça vous a plu craque, là, le téléphone. Ouais, bon, si très vous bien. Vous voulez piquer la batterie de votre copain sans qu'il s'en aperçoive, en douce, prenez ça. C'est possible. À la semaine prochaine, Charline. Oui. Tout de suite, on accueille nos amis de la SPA et c'est Michel aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous fait rire? Non, rien. Bon. Rien. C'est Michel, bénévole à la SPA, qui va venir nous présenter Tino et Billy. Découvrez une sélection d'objets tendance, déco ou des idées cadeaux grâce à Cadeau Maestro, 3 rue Michelet à Saint-Étienne. cadeaumaestro.com